Et bonjour YouTube, vous avez pas raté grand chose, on est en train de faire l'émission secondaire, je viens de voir que ça enregistrait pas. Petite erreur de ma part, vous m'en excuserez s'il vous plaît. Soyez sympa, excusez-moi. Oui, donc ce que je voulais faire c'est pas ça, c'est ça. Avec ça. Ça. Avec. Non. Oh, si je reste à côté. Voilà. Magnifique. Voilà, on a la bactérie qui va nous permettre. Je crois que j'ai amélioré la bactérie. Et je pourrais en être sûr qu'après l'avoir vérifié à la station de recherche d'Harry. Il faut retourner à la station d'Harry. Mais là, est-ce qu'on va pouvoir utiliser nos toiles ou encore une fois. Le enfin... déplacement devrait être revenu. Ah, mais voilà. Voyons ça. Je dis oui, oui, oui. Oh, ma toile pour me balancer. Tu m'as tellement manqué. Donc, dans la vraie vie, on a une toile comme ça pour se balancer. C'est très rapide, quoi. C'est le projet. C'était si important pour eux deux. C'est peut-être ça qu'on appelle perdre le pire. Allez, on retourne à la station. Et là, je crois qu'on aura fini définitivement les stations de recherche. J'avais pas manqué grand chose, hein, les gens. On a fait des stations de recherche depuis le début. Voilà, on est en attente pour le toujours. Rempli de plastique. Voyons ce qui va se passer. Alors, est-ce que notre bactérie va fonctionner? Ça marche? Pas aussi Allez. Vite que j'aurais espéré, mais mieux qu'avant. Il va falloir faire d'autres tests. Très bien fait cette animation. Sarcastique. Ça n'a pas éliminé tout le plastique, mais c'est un gros progrès. Assez pour qu'Oscorp continue à travailler dessus. Il pourrait remporter le prix Nobel, et ça ferait pas de mal à leur action. Alors, on a dîné avec MJ, mais là, clairement, on a tout fait là, les recherches. Là. Non, il nous en manque encore une. Mais je suis aveugle à chaque fois, ou comment ça se passe là? Il nous en manque encore une. Heureusement, on est sur la version remaster, je vous rappelle. D'ailleurs, vous pouvez bien entendu écouter ces rediffusions en 4K 60 FPS sur la chaîne. Et ça, ça fait plaisir. Là, techniquement, c'est la dernière pour de vrai, là. Ou sinon, c'est quoi le jeu fait en sorte qu'il y en apparaît une à chaque fois? C'est peut-être ça aussi, hein. Allez, c'est parti. Cette station analyse les orages et assure la sécurité des autres. Elles sont toutes exposées à la foudre, qui pourrait gravement endommager leur base de données. En cas de danger, ces données sont automatiquement transférées vers les serveurs d'Oscorp. Tu veux bien t'assurer que tout fonctionne correctement? Il y a une tempête en approche. Et le transfert automatique ne marche pas. J'ai pas le temps de finir le code. Je vais devoir lier manuellement. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lié des hubs. Ensuite, je grimpe au sommet du bâtiment Scorp pour aligner les récepteurs. Bon, c'est parti, hein. Le premier hub est juste au devant. Les lentilles devraient afficher les autres hubs en rouge. C'est bon. Maintenant, je vais prolonger la chaîne. Ah, ça s'arrange pas vraiment. Les éclairs qui ont l'air un peu violents, hein, quand même, hein, je tiens à dire. Alors, ouais, juste là. C'est bon. L'énergie des récepteurs me donne une charge positive. Ce qui veut dire que je risque d'attirer la foudre. Ma charge augmente. Je dois faire vite pour éviter de prendre la foudre. Quitter rapidement la zone pour éviter la foudre. D'accord. On peut se faire électrocuter. J'ai un feeling que si on se fait électrocuter, bien entendu, tout s'arrête. J'ai l'impression que Thor nous attaque, mais sinon ça va, hein. Ah! Quitter la zone, hop. On va éviter de se faire électrocuter, ce serait dommage. Une de moi. J'ai pas le temps de péter ça. Je sais pas comment il va y en avoir là. Protège un peu.
Je dois éviter d'être touché trop souvent. Pour le moment, on n'a pas été touché une seule fois, donc ça va quoi. La nature est merveilleuse, sauf quand elle essaie de me tuer. Ah, les tonnerres grands là, c'est incroyable quand tu y penses. Hein. Celle-ci, c'est bon. Mais putain, il y en a combien là, c'est pénible. Hein. On va faire la ville au complet quoi. Ah, celle-là, on l'a évité de justesse. Hein. Sur le plan scientifique, je sais ce qui se passe. Mais j'ai du mal à croire que l'univers cherche pas ma mort. Allez. Faut que le camp d'ici, là. On s'approche de la tour de Scorp, hein, donc en principe ça devrait être la dernière, peut-être l'avant-dernière, là. Non, c'est pas la dernière. Je commence à prendre le coup de main. Oh là là. Ça fait mal, voilà, on sait ce que ça fait, d'accord, donc je dois pas attendre trop longtemps, quoi. Ouais, j'ai pas trop le temps, là, en ce moment, j'essaie d'essayer de pas me faire électrocuter. Ouais, ça fait mal, ça. C'est la deuxième fois, là, qu'on se fait électrocuter. Où est-ce qu'ils font? Pas le temps d'admirer la vue. Putain, mais c'est pénible, hein. C'est vraiment pénible à faire, là. Ça va tomber juste à côté, donc techniquement j'ai de la chance là. Si je ralentis, je serai cuit à point. Ah, je dois grimper au sommet de la tour Oscorp. Bien entendu, il y a toujours des éclairs qui sont autour de moi. Là, faut pas perdre de temps parce que j'ai un feeling que voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est que la foudre va frapper le bâtiment également. Il faut les diriger les unes vers les autres plutôt que vers leurs satellites. Si je recommence au début, j'arrête. Hein. Je le dis tout de suite.
Ça a marché. J'ai eu le temps. Et l'araignée a tissé une toile de données. Toutes les données de recherche vont sur les serveurs d'Oscorp. Ah, elle a des succès. Je peux enfin me mettre à l'abri. Pas mal sûr qu'on l'a terminé. Qu'on l'a terminé tout ça. C'est bien ça. On va pouvoir les manger avec MJ là. Salut Pete. Est-ce que tu veux une bonne nouvelle? Avec plaisir. Au moins ça me changera un peu. Je viens de poster un nouvel article. Oscorp a annoncé que les stations de recherche de Harry fournissaient des données précieuses. Ils vont les financer à 100%. Tu rigoles? C'est génial. J'aimerais bien pouvoir le dire à Harry. Il m'a toujours pas rappelé. C'est bizarre. Je sais que ces stations de recherche sont super importantes. Il nous a pas rappelé non plus. Sa mère serait si fière. Il lui rend vraiment hommage. Ouais, tu l'as bien aidé aussi. T'es un ami génial. Toi aussi, MJ. Et où que soit Harry, il le sait. Ah, j'ai hâte de lire cet article. Bon, est-ce qu'on peut aller dîner aux chandelles maintenant? Ce serait bien, là. Il y aura peut-être un chemin plus rapide, hein, parce qu'avec les TP automatiques, pratiquement automatiques, devrais-je dire, il y a des moyens d'aller plus vite. Hein. On va aller à l'appartement de MJ. Juste devant un petit parc, elle est quand même chanceuse. Hein. C'est Birdie. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Plus tôt dans la journée. Ah, une petite phase d'infiltration avec MJ, quoi. C'est pour ça qu'elle voulait qu'on chuchote sans doute. Y avoir un élément en rapport avec lui. Il faut que j'entre dans ce bureau. Hein? C'était quoi? Encore un qui est né avec deux mains gauches. Je suis sûr que c'est Happy. Vous pouvez pousser certains objets. Ah, d'accord. Alors, je peux pousser les objets pour faire. Hey, Rick! Le patron veut te parler! Rentre! Ouais, on fabrique ça dans ce bureau. Que ça. C'est si le patron voit ça, il va enrager. Attention. Éviter le verre cassé. Ah d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Un rêve ou quoi? Tout en douceur. Quel genre d'engin a besoin de pneus aussi gros? Merde. J'avoue que c'est un peu gros là. C'est un peu gros comme pneu là. Je suis sûr que je l'avais laissé là. Se cacher, hein. On dirait que le greffe d'os me met à croix. Hé, qui est là? Hé, j'ai entendu un truc. Hé, quelqu'un a pensé à racheter de la bière? Pas plus. Je rêve ou quoi? C'est quoi ça? Un genre d'équipement militaire? Merde, je deviens parano. Le bureau doit être à ma droite. Il faut que j'avance prudemment. Moi, je comprenais pourquoi certaines personnes détestaient les phases de MJ. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est quand même chiant à faire, quoi. Ce bidon semble important. Alchemax ? Pourquoi ça me dit quelque chose ? Mes excuses, vous entendez mon chien japper.
C'est vrai, Rick. Il verra rien. Parce qu'il n'y aura rien à voir. C'est pas vrai! J'ai dit que j'arrangerais ça! T'en as dans le ventre, Rick. Voyons si ça va durer. What the fuck? Ah! Quelle cruelle déception. Le mec reçoit une balle en tête et sa tête résiste, quoi. J'ai besoin d'un nouveau soudeur. Des plans. Un VBT. C'est ça qu'ils construisent pour Ali. Mais pourquoi ils auraient besoin d'un véhicule blindé? Et voilà. Des balises GPS. Pourquoi Tombstone en aurait besoin? Ok, les gars. On s'arrache. Prenez le matos dans mon bureau. C'est l'heure de partir. Bon, c'est là que je te dis de jamais recommencer, mais je sais que tu m'écouteras pas, alors... Non, effectivement, on devrait pas nous écouter, bon. Emporte ça la prochaine fois. Cool. Merci. Tu le sais que Tombstone est fou et presque invincible, pas vrai? Tout le monde a un point faible. Le mien, c'est... Ce que t'es en train de préparer. Ça sent trop bon. Poulet au curry. Y'a plus qu'à faire mijoter. Pas de boulettes, j'espère. Tu me laisseras jamais oublier ça, pas vrai? Non. La grande débâcle des boulettes. Quand je pense qu'ils ont évacué tout l'immeuble. Ouais, et en janvier en plus. Des voisins m'ont détesté. Ouais, ils étaient soulagés quand on a rompu. Ouais. Bon. Parlons de ce que t'as vu dans le bureau de Lee. Ouais. On sait que Lee a une dent contre Norman Osborn. Ouais, mais... Pourquoi? Je sais pas encore. Mais apparemment, il prépare un truc avec le souffle du diable. On va savoir ce que c'est. Ouais. Je ferai des recherches. Dis, je me demandais... Si on faisait équipe. Tu veux être mon acolyte? Genre, la fille araignée? La femme araignée, hein, la femme. Pas une acolyte. Une partenaire. Oh. Pas encore. On sait que le point faible de notre cher Peter Parker... C'est un détecteur de crime. Effraction chez un particulier. Charles Standish. Ça me dit quelque chose. Oh, le comptable d'Oscorp. Attends. Tu crois que ça a un rapport avec Lee? Désolé de partir comme ça. Tu vas laisser tes fringues par terre, dans la cuisine? Où est-ce que tu veux que... Là, poste sur le canapé. Bon, on se voit plus tard. Ouais. Oh là là. Alors, il se passe quoi là? Souriez. Qu'est-ce qu'il y a de ça? Ah, c'est elle. Alors, il se passe quoi là? Salut, c'est moi. Il est dingue, ton Curie. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Charles Standish? Voyons un peu. Directeur administratif et financier chez Oscorp. Célibataire, collectionneur d'art. Et s'il a un penthouse dans cet immeuble, il doit être vraiment riche. Lee le cherche. C'est forcément lié au souffle du diable. Je vais faire une recherche complète sur tout ce fichier. Préviens-moi dès que tu trouves un truc. Je sens que Lee prépare quelque chose d'encore pire que l'attaque contre l'hôtel de ville. Du coup... Partenaire ou pas? C'est un peu l'impression que ça donne. Partenaire! Ça rend pas mal! Ok.
Ah. On dirait que les policiers ont besoin d'un coup de main. Ouais. Ok, toi tu vas faire dodo. Ensuite ce sera monsieur derrière. Voilà, et ensuite ce sera monsieur tout au fond. Les deux en fait, voilà. Foutre à l'intérieur. Bougez pas d'ici. Quelqu'un était pressé. Garde une sécurité. Quoi. Non, ça va. Mais vous devez retrouver Monsieur Standish et vite. Ces types masqués l'ont enlevé et l'ont forcé à les mener chez lui, dans son penthouse, au dernier étage. Ok, bougez pas d'ici. Eh ben, content de vous voir. Je trouve plus ma caisse. J'aurais juré qu'elle était garée à cet étage. Non, non, non. Hein, tu vas pas tricher avec tes gants de tricheur, là. Ah! Y'en a d'autres là. Voilà. Adieu. Ah, j'oublie toujours que je peux faire ça quoi. Ah, sont assez faciles à battre là. Plus eux en fait. Hein. Voilà. Bon, il y a monsieur là qui est toujours pas. Voilà, là, il est scotché. Voilà. Tu vas te casser tout de suite, voilà. Voilà. Alors, bon bah des renforts, hein, bien entendu. Ah, il y a un gros. Ça, vous bossez là vous aussi? Ah bah il plaisante pas avec le gardiennage dans ce bâtiment. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Voilà. Bien tenté, mais raté. Mini les ennemis dans le garage, il en reste? Pas la peine de prendre l'ascenseur, parce que je pensais que je suis là. Mais je peux éventuellement me glisser par sa cage. Ah, on va utiliser la cage d'ascenseur. Je devrais pouvoir rejoindre le penthouse par là. Voilà. Steve Hummer Woody. Au revoir. Voilà. Ok, j'y suis presque. Restons dans la pénombre.
notre concentration est pleine si jamais on a encore notre truc de toile aussi, si jamais là. Hop. Voilà, doucement. Ah bah y'en a combien à monter là? C'est qu'il est haut ce bâtiment. Des bombes incendiaires? Putain, ils sont violents là. Skip. Oh oh, pas bon ça. Ils sont malades là. Et ben voilà, on est dans le penthouse de Monsieur Standish. Voilà Standish. Très bien. Et maintenant? Mais qu'est-ce qu'ils en veulent au comptable? Entrez le mot de passe. Ah ben peut-être pour avoir des informations sur leur patron, vu que Lee en veut au patron le Scorp là. Il a l'air à cran. Je devrais peut-être abréger ses souffrances. Allez. Alors. D'accord, je dois éliminer tous les ennemis. Donc ça c'est bon à savoir. Qui est-ce qui a tenté de me voir là? Je dois faire le ménage avant de parler à Standish. Ah, il y a des nouveaux ennemis là. Il y a des nouveaux ennemis. Ouais, il reste attentif, mais au final... pour le moment, ça se passe plus que bien là. Voilà. Il a pas vu venir celle-là. Voilà. Ok, c'est bon. J'espère que Standish va bien. On va voir s'il va rester longtemps, mais... Et de toi, là. Voilà. 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 Il va nous rester un truc. Essayons encore une fois. On va pouvoir ou ils vont... Non, on va pouvoir, d'accord. C'est terminé. Pour vrai, le truc de lance-toile, mon pouvoir spécial, c'est... Mon pouvoir spécial, mais bon, non, pas mon pouvoir spécial. Pourquoi ils veulent s'en emparer? J'arrive plus à parler, moi. Je sais même pas ce que c'est. Monsieur Osborne le finance à coups de millions depuis des années. Mais il garde le projet top secret. Je suis le seul à avoir des traces écrites. Plus maintenant. On dirait qu'ils ont copié des fichiers vers un serveur sécurisé. Registre du personnel. Un certain docteur Isaac Delany. C'est qui lui? Je l'ignore totalement. Mais c'est vous! Allez, allez! Non, l'ascenseur est... Essayez de tomber moins vite! Ouais, y a des petits QTE là.
vous tiens. Tout va bien? Oui, je crois. Bon, cool. Vous savez, pour une cage d'ascenseur, c'est plutôt pas mal. Peut-être s'en aller de là, effectivement. Salut, Yuri. Tout va bien? Ouais. Mais le problème, c'est que Standish a pas eu le temps de me dire grand-chose avant que les hommes de sable arrivent et me chassent de là. Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai l'impression que tout ce qui leur importe, c'est d'éviter qu'ils ne parlent. Parce qu'il est au courant pour le souffle du diable. Oui, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. J'y travaille. Je crois même avoir une piste. On a obtenu un nom, quoi. Une piste? Vous parlez comme un flic? Vous voulez dire... l'inspecteur Spider. Elle accroche assez rapidement. Oh, sympa, sympa. Peter, qu'est-ce qui s'est passé avec Stanley? Alors, on a débloqué une nouvelle tenue. Spider tenue MK3, c'est un peu violent ça. On a débloqué les modes de tenue qui permettent notamment de... les dégâts subis peuvent recharger le gadget, le maillage électrique. Mais j'aime bien ce que j'ai. J'aime bien ce que j'ai. De nouveau des gadgets, on a débloqué la matrice de suspension. Du côté des compétences, on en a 3, on peut donc démarrer ça. Ah, ça c'est cool ça. Ça aussi, ça va être cool. Il est en sécurité. Ok, très bien. Et les démons? Ils recherchaient un nom. T'as de quoi noter? Ouais, vas-y. Docteur Isaac Delany. Ok. C'est qui? Et pourquoi lui? Ah bah j'espérais que tu me le dirais. Je m'en occupe, ce sera pas trop long. Oh, et avant que j'oublie, t'as zappé le mouchard de Tombstone chez moi. Je te le déposerai au labo du docteur Octavius. Bon, je te dirai ce que je trouve sur Delany. Ah, une nouvelle mission annexe. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une mission annexe, là. Ça faisait même très longtemps qu'on n'avait pas une mission annexe. Elle est où, l'émission annexe? On peut pas dézoomer, là. Je la vois pas, là. Tu peux bien me dire qu'il y a une mission annexe, mais si tu me dis pas c'est où, je vais chercher longtemps. Ça, c'est la maison, le centre fist. C'est juste un bug avec la carte, je vais avancer un peu, là. Bon, voilà. C'est justement du côté d'Octavius, donc... Tombstone. Ah bah c'est une mission sur Tombstone, effectivement. Tant vu qu'il est là. Je devrais examiner les metteurs trouvés par MJ. Pip. Pas si nécessairement on approche la fin, mais les démons sont de plus en plus fâchés, quoi. On n'a pas encore la disponibilité d'obtenir les deux derniers, donc ça va être la même chose de l'autre côté. Si j'arrive à le démonter et à l'inverser, il devrait mener aux cargaisons de Tombstone. Exactement, l'adresse où on avait, quoi. Alors, on part d'ici, il faut se rendre là-bas, mais en ayant du 5. Hop. Hop. Allez, on va monter en plus 3. Ah, j'en ai plus. Voilà. Parce que là, sinon, on n'ira pas loin sans... Voilà, et là, on... Faut tomber à 5. Ah ouais, ce sera pas facile. Hein. Ici, j'ai accès à plus 3, plus 2. Attends, je suis en train de me poser une question, là. Ce serait pas plus logique... que j'ai de ce côté. Ah, je reste à plus 3, quoi. Il me faudrait absolument les deux. Et donc, pour avoir les deux, il va me falloir... booster au maximum. Parce que si j'enlève juste moins 1, même si j'enlève juste moins 1, ouais, j'étais à 2, quoi. C'est pas l'idéal, hein.
faut que je fasse le tour. Voilà, je viens de comprendre. Je viens de comprendre mon erreur. Je dois faire le tour. Plus 5, voilà, et là je fais ça, et on l'a. Bon, je sais pas s'il y a plusieurs étapes, mais je pense pas. Habituellement, dans une mission, il y a juste une seule étape, là. Voilà, on peut déjà quitter, quoi, ils nous font venir dans le labo pour absolument rien. De toute façon, on peut pas faire d'autres missions principales. J'ai plus qu'à suivre le signal. Il devrait me mener à ce que Tombstone est en train de déplacer. Ah d'accord, donc s'il est en train de le déplacer, ça veut dire que ça va bouger, quoi. Ce type est un vrai cauchemar. Et ce que je trouve cool vraiment jusqu'à maintenant, c'est qu'on rencontre plusieurs ennemis iconiques de la franchise Spider-Man. C'est vrai, c'est pas Miles Morales, c'est de la même façon, mais jusqu'à maintenant, je trouve ça très cool. Là. Elle est juste de l'autre côté de bâtiment. Là, le camion. Alors, on se fait une petite virée. Non, c'est Spider-Man. Appelle les renforts. Non, t'appelleras pas le renfort, t'appelleras rien du tout, toi. Ah, ouais, vas-y, appelle. Il y a plein de renforts, quoi. Fallait pas me chercher. Allez, on va faire ça plus rapidement que habituellement là. C'était quoi là? C'est fait. Maintenant, voyons le camion. Merde. Chimique. Ils sont vides. Nettoyés à fond. On dirait qu'ils viennent de l'usine Alchemax à Harlem. Qu'est-ce qu'ils pouvaient contenir? Ça, c'est la grande question. Et ce son marque la fin de notre épreuve chrono. Vous devrez jeter un coup d'œil chez Alchemax pour découvrir ce que contenaient ces barils. Tombstone mijote quelque chose. Sans doute illégal. Et clairement dangereux. Ah, c'était juste ça la mission? Ouais, c'est pas plus. Pas très complexe, quoi. Salut, vous auriez le temps de vérifier un truc pour moi? Non, mais si vous demandez gentiment. J'ai reçu un appel à... Alors, est-ce qu'il m'a débloqué? Je veux savoir s'il m'a débloqué avec Tombstone, là. Défi des bombes. Ah, c'est ça, les points de défi. C'est ça, les points de défi. On a enfin les défis, là. Défi des bombes, là. On va faire des défis. On va faire des petits défis. Boîte sur un toit à Hell's Kitchen. Je pourrais prévenir les démineurs, mais si c'est juste le projet SBT d'un collégien... Ouais, je vois le truc. Crise budgétaire, tout ça, tout ça. Et donc? Vous pourriez aller voir, s'il vous plaît. Vous avez dit le mot magique! J'espère que c'est le projet SVT d'un collégien. Ça me manque, cette époque. Les projets à l'école sont tellement plus faciles que dans la vraie vie. Ah, je peux pas le faire. Parce que je suis obligé de faire celui qu'elle me donne, d'accord. Bon, bah, aller faire celui qu'elle me donne, quoi. Mais j'ai pas l'impression que... Je veux juste voir si le truc de Tombstone... Mais j'ai pas l'impression qu'on peut le faire tout de suite. Oui, on peut le faire tout de suite. Doc ? Désolé d'appeler si tard, mais mon esprit déborde d'idées. On l'a vu trop petit, Peter. Pourquoi remplacer les membres par des prothèses réalistes quand on peut les améliorer ? Alors bien sûr, les gens qui ont perdu un bras veulent le retrouver. Mais on pourrait leur donner encore mieux. On n'a pas à se plier aux limites du corps humain. On peut les dépasser. Réfléchis-y quand tu auras le temps. Doc se donne vraiment à fond. J'espère qu'il va pas nous faire un burn-out. Alors, voilà le premier défi. Là. Celui-là, je peux le faire. Hein ? C'est militaire, on dirait. Bizarre. Spider-Man, alors tu as trouvé l'un de mes points de Taskmaster. Qui êtes-vous ?
Mauvaise question. Je crois, hein. Ou peut-être pas, en fait, si je sais pas c'est qui. L'homme énigmatique a des points de géolocalisation aux 4 points de la ville. Ah voilà, il a posé des bombes, ça j'ai bien compris quoi. Cet ordinateur pointe vers des bombes dans le district. Elles sont sur le point d'exploser. Je dois faire vite. J'ai pas beaucoup de temps. Non, c'était pas ça, c'est ça. Explosion contenue. Ouais, à 55 secondes, et là, j'imagine que plus on va avancer dans les dans ces petites activités défi, plus il y aura de bombes à désamorcer, quoi. Voilà. Et la dernière bombe qui est juste un peu plus loin. C'est proche de la perfection. Ah, on a fait presque 1600. Je sais pas comment on en gagne. Bon travail pour les bombes, mais tu insistes trop sur ton lancer. Ça affecte ta précision. C'est quoi votre espèce de jeu pervers ? Les jeux, je laisse ça aux enfants. Je suis un professionnel et on me paie en tant que tel. Je pense que votre client gaspille son argent. Parfois, les informations valent plus que de l'argent. J'ai beaucoup appris en t'observant. MJ, t'as trouvé quelque chose sur Isaac Delany ? Tiens, regarde la photo que je t'ai envoyée. C'est lequel, Delany ? J'en sais rien. Tu vas devoir aller à cette petite fête pour le découvrir. Ça tombe bien, j'ai déjà un costume. Bon, on a trouvé les infos sur Delany, il reste toujours la mission de notre cher Tombstone à faire, mais on va faire un autre petit défi avant d'aller à Tombstone, on ne fera, pense pas qu'on fasse une autre mission principale, l'épisode fait déjà 42 minutes, bah, notre session actuelle devrais-je dire. Donc je sais pas si on va réellement faire une autre session, mais bon, on va voir. Hein. Hop, 12 000. Donc ça doit aussi aller en conséquence de notre vitesse. Alors vous voyez 300 mètres, c'est celle-là qui est la plus proche. C'est celle-ci qui est la plus proche. Ok, celle-là, c'est bon. Celle-là, 400 mètres, c'est la plus proche. C'est à 200 mètres. Et je pense que j'ai pas le choix de tous les finir si je veux avoir. Explosion contenue. Allez, on va faire une petite dernière là qui est juste là. Allez, on l'a eu. Je suis assez fier de moi sur ce coup-là. On l'a eu, on l'a eu. Du coup, on a gagné des jetons de base, mais on peut construire là. Là, celle-ci, je l'ai jamais fabriquée là. Je sais pas pourquoi. Oh, regardez celle qu'on a, mais je l'avais jamais fabriquée. Ouais, ce que je me disais en fait, c'est vrai, on a débloqué des nouvelles tenues, mais je préfère ça. Les petits défis de bombes là, il y en a un petit peu partout, il y a des défis, vous voyez ici on pourrait faire un défi de bombe et un défi d'éléments quoi. On va faire un défi de base parce qu'au final on a vraiment pas beaucoup de défis de base et c'est ce qui nous manque un peu comme jeton là. Là je me suis fait coincer sur le foutu, qu'est-ce qui se passe ici là? Hop.
Alors. Je vais juste m'assurer que ça soit sans danger. C'est sans danger. Bah, clairement, il y a un danger dans le sens que ils vont me voir là. Cependant, voilà. Ce que veulent en faire bouger deux, appel, c'est déjà bien. Quoi. Un camion transportant un engin explosif a pris la fuite. Besoin d'unités supplémentaires à Carnegie Hall. Répondez. J'ai eu un appel de Tante May. Peter, j'ai parlé à la mère de Miles, et elle est ravie qu'il puisse travailler ici. La pauvre est en deuil, mais elle essaie de rester forte pour son fils. Elle a besoin de temps pour se remettre, et lui a besoin qu'on lui montre que la vie vaut encore la peine d'être vécue. C'est adorable d'avoir proposé ça, Peter. Ben aurait été fier de toi. Bah, j'espère, hein. J'espère qu'il aurait été fier de moi. Hop. Et dodo. Maintenant, voyons ce qui se trame à l'intérieur. Geronimo. Subtilité 0, hein, par exemple. MJ, je suis au premier endroit de ta liste. Devine ce que j'ai trouvé. Des démons. Et un bon point pour la demoiselle. Essaie de voir ce qui mijote. Moi, je vais aller me présenter directement. Coucou, Spenmil. Électrifie 10 ennemis, réussir 10 trucs. Ah, ça électrifie pas ça. Ah, on est sur des vagues, d'accord. On est sur des vagues. Allez, toi tu vas faire dodo. Voilà, toi tu vas faire dodo. Dites-moi la vérité, vous attendiez juste à côté que je pense avoir gagné, hein? Bande de méchants. Et c'est plié. Peter, il semblerait que Lee ait racheté un atelier de carrosserie tout à fait légitime. Ah ouais, ça explique d'où viennent tous les véhicules des démons. Camion, ambulance. Cinquième vague sur 6. Exactement. Si tu mets pas à leurs opérations, on va y arriver, hein. Ils auront plus de mal à passer incognito en ville. J'imagine le message groupé qui vous a tous fait venir ici. Ah,
Oh non, mais il triche là. Ah ouais, il triche là. Ouais, y'a lui qui me fait chier là. Regarde, il va jouer à ça là. Ouais, il va jouer à ça là. Bon, il y a lui qui commence à me faire chier là. Oh là là. Non, mais il me fait chier là. Il va me lâcher, oui. Allez, tu vas me lâcher là. Allez, adieu dodo, dodo papillon là. Je voudrais vérifier la capacité maximale des lieux. C'est de toute bonté. Voilà, et là il y a monsieur là-bas. Voilà, là il y a monsieur qui me tire ici. Allez, ça va dégager. Hop, voilà. Attendez, je me gratte. Oui, c'est pas sympa lui. Et ben voilà. Entrepôt des démons terminé. MJ, je crois que j'ai fait plus de dégâts que de réparations chez nos amis carrossiers. T'en fais pas, je préviens la police. Ils vont s'occuper de tout ça. Et on a eu deux petits jetons de base. Voilà. Bon. Du coup, on doit pouvoir faire... Ouais, voilà, on peut faire beaucoup de tenues, là. Je sais pas laquelle qui est mieux, en général, machin, KPS. Vega massif, métal dynamique et semi-liquide qui se cristallise pour envoyer les balles. En tous les cas, on va construire celle-là. Ça sera déjà fait, là. Et on l'utilisera pour le prochain épisode. On utilisera celle-ci. Bien d'avoir les points électrifiés. Mais pour moi, je préfère largement le... Je préfère largement le pouvoir de l'explosion de toile. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Je préfère largement. Bon, on va aller voir ce qui se passe à l'entrepôt là. L'entrepôt qui est juste là, et une fois qu'on aura fait l'entrepôt, on va se laisser. C'est parti. Je tombe à pic. Les hommes de Tombstone chargent leur ravitaillement. Pourquoi faire? Il reprend le trafic de drogue? Ah, je pense pas. Hein. Armés. J'ai intérêt à rester discret. Ils sont passés, les gars, la discrétion, c'est mon point fort. Voilà. Il y en avait un là-bas, là. Oui, il est là. Mais c'est en danger. Pourquoi? À cause de lui. C'est moins risqué que de décevoir le boss. Allez, active-toi un peu. Allez. D'accord, lui, il est encore sous danger. Ça veut dire qu'il y a une autre personne qui le voit, quoi. Il y a lui là-bas là. Allez, au dodo.
Il est avec danger à cause de ces deux gars-là, quoi. Mais si je toile bien mes trucs et que je mets... Voilà. Si ensuite je mets juste là. Voilà. Lui, c'est là, il n'y a pas dérangé. Ah oui, il avance avant, enfin. Ouais. Allez, tes amis se sont éloignés de toi. Ils ont fait la mauvaise décision là. Allez, au dodo. Les hommes de Tombstone sont KO. Voyons maintenant ce que contiennent ces barils. Alors, qu'est-ce qu'il transporte, monsieur Tombstone ? Diox 3. Ce serait pas le produit auquel Tombstone a été exposé, tant petit ? Donc il essaie de créer d'autres... Bah, moi j'ai un feeling qu'il essaie de créer d'autres personnes comme lui, quoi. Ouais, c'est bien ce que je crois, hein. Ouais ! Allez, amène-toi ! Ça risque d'être drôle ça, mais de toute façon je pense que j'ai mon lance-toile là. Je doute que ce soit un produit pour la... Ah voilà. Bon, il est sérieux là, il ramène ses petites motos là. Allez, jeunes de nos jours, aucune personnalité. Voilà. Ensuite, on a monsieur qui est juste là. Il y en a d'autres là. Qui me faire chier là. Voilà. Et allez petit dodo. Non, 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 tu vas te calmer là. D'accord, leur effet est temporaire, ça c'est bon à savoir. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien entre le Diox 3 et ses inhalateurs. Je devrais analyser un inhalateur pour en savoir plus. Ah non, voilà. Bien, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, une petite analyse sur le terrain. On n'avait jamais eu ça.
On n'avait jamais eu ça. Bon, étant donné que c'est une mission principale, c'est beaucoup plus simple que lorsqu'où on était rendu, nous, dans nos petites énigmes. Pas mal comme cocktail, pour une invincibilité temporaire. Je suis impressionné. Et inquiet. Si ce truc arrive dans la rue, le marché sera énorme. Et Tombstone aura le monopole. Je devrais pouvoir synthétiser un antidote. Je me demande si ce camion contient de l'équipement de labo. On va faire ça à l'ancienne. Voilà. Une unique dose d'antidote. Il n'y a plus qu'à la tester. D'accord. Bon, l'émission, cette fois, c'est terminé. Tombstone dans son garage clandestin. Après, me dire qu'on pourrait enlever les pouvoirs de Tombstone. Ce serait fou, ça. Ce serait quand même fou, ça. Dans tous les cas, on est monté niveau, mais on va également s'arrêter ici pour cette magnifique... cette magnifique séance sur Marvel Spider-Man. J'espère que vous l'aurez apprécié. On se retrouvera très bientôt pour d'autres aventures, oui, bien entendu, hein. Et également sur Spider-Man, mais sur d'autres jeux. Au final, je vous rappelle, on fera Spider-Man et ses DLC. Ensuite, on passera sans doute à Miles Morales. On va sans doute enchaîner. Dans tous les cas, merci d'avoir été là, autant sur YouTube que sur le live. Si vous étiez sur YouTube, et pensez à venir follow la chaîne Twitch si vous voulez pas rater les prochaines séances. Merci d'avoir été là. Moi, je vous dis à très bientôt.